Salut les amis, on se retrouve encore pour une news. Aujourd'hui, c'est assez fourni. On va parler de Saints Row. Alors Saints Row, c'était un jeu, le reboot hein, bien sûr, celui de 2022, qui était sorti le 23 août dernier. Je l'ai pris, j'ai voulu jouer sur ma série X. J'ai été dégoûté en fait. Franchement, j'ai perdu de l'argent. J'ai vraiment perdu de l'argent. Je voulais le faire en coop, ça s'est mal passé. Trop de bugs, trop de problèmes. Je sais pas, il y a plein de choses qui allaient pas avec un gameplay assez rigide, ancien. Dépassé. Et voilà, j'essaie de me persuader que peut-être ça pourrait être bien en continuant d'y jouer. Bah, j'ai même pas réussi, j'ai arrêté. Je sais pas vous, je sais pas si vous l'avez fini, si vous avez vraiment apprécié Saints Row. Moi, réellement, pas du tout. Pas du tout, j'ai perdu mes thunes, quoi. Et bon, ce petit Saints Row n'a pas forcément plu à beaucoup de monde. Et ce qui se passe, ben voilà, il y a Volition. Volition va se retrouver à être avec Gearbox. Voilà, ils vont se retrouver avec eux et c'est ce qu'ont fait les Borderlands. Maintenant, ils vont travailler pour eux. Ils vont rejoindre Gearbox. Et ils ont expliqué. L'accueil des deux Saints Row n'a pas répondu à toutes les attentes et a laissé la base de fans partiellement polarisée. Le studio de développement du jeu, Volition, a travaillé dur pour améliorer l'expérience des joueurs. Sur le plan financier, les performances de Saints Row ont été conformes aux attentes de la direction au cours du trimestre. À l'avenir, Volition sera intégré à Gearbox, qui dispose de tous les outils nécessaires, y compris d'une équipe de gestion expérimentée aux États-Unis. Pour assurer le succès futur de Volition, il s'agit du premier transfert de groupe interne où nous transférons un studio majeur entre des groupes opérationnels. Mais ce n'est pas nécessairement le dernier. Voilà, bon, bah, depuis le 23 août dernier, le jeu s'est quand même vendu à la mi-octobre, conquis plus de 1 million de joueurs, ce qui est plutôt pas mal en réalité, hein. Mais si c'est 1 million de joueurs comme moi qui ont été trompés sur la marchandise, est-ce que c'est réellement une réussite? C'est ça le problème. Bon, après, il nous rappelle qu'il va avoir du nouveau contenu pour 2023, des nouveaux DLC, et même rallonger l'histoire, ainsi qu'une nouvelle zone pour explorer la carte un peu plus, il y aura un peu plus d'exploration. Moi, réellement, je sais pas vous, dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez apprécié ce jeu. Moi, j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu mes thunes. Là, vraiment, c'était dommage parce que je me dis, c'était complètement différent qu'un GTA. Et j'aimais bien ce côté un peu foufou, mais en même temps, là, ils revenaient un peu à une base où dans les thrillers, dans toutes les vidéos que j'ai pu voir avant la sortie, c'était plus un jeu où ça faisait un peu plus quartier, racaille, avec des gangs. Un peu comme le premier Saints Row. Voilà, le premier Saints Row, moi j'avais aimé parce que c'était vraiment gang. Ils ont essayé de faire quelque chose un petit peu sérieux, un peu foufou, mais pas autant que le 2, après le 3, et enfin ainsi de suite, tout le bordel qui est sorti après, où c'était vraiment parti en cacahuète, même il y avait des super-héros. Moi j'aimais bien le premier parce que ça faisait vraiment gang. Et là, je me suis dit, ah, ça pourrait être bien que l'on s'en trouvait avec des jeunes, ça faisait même pas gang, ça faisait. Je sais pas ce que ça faisait, mais ça faisait pas du tout une ambiance que j'aimais. Et pour moi, il a été loupé ce jeu. Voilà, sincèrement. Mais je suis pressé de voir votre avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez même aussi rejoindre le Discord. Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui rejoint le Discord. Si vous avez des questions, vous voulez me parler en privé, n'hésitez pas. Je suis là si vous avez des questions. Tranquille, hein, on est là, on discute, pas de problème. Et puis, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire, et ben surtout, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Allez, ciao.